tout le monde, c'est Kazuo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, unboxing de la boîte Woodbox qui est de ce mois-ci, donc du mois de novembre, octobre, qu'est-ce que je raconte, le mois d'octobre sur le thème de Quest. Donc ça regroupe plusieurs jeux, films et tout, donc Zelda, après vous verrez. Et je vous cache pas que j'ai déjà ouvert la boîte parce que pour certaines raisons, mais vu que j'habite chez mes parents ont voulu voir aussitôt ce que j'avais dans la box, donc du coup j'ai vu en même temps que ce que j'avais. Du coup je vais pas faire le mec, oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est, le mec choqué quoi. Je vais pas faire ça, non, je vais vous montrer normal quoi. Et du coup, je vais pas regarder à la veuglette. Alors, donc, on a le petit carnet habituel, voilà. Alors, je vous ai pas montré la boîte. Regardez, ça fait un livre. Et après, ça, je suis pas fan de dessin dessus, mais l'idée du livre, je trouve plutôt cool. Voilà. Ensuite, donc, on a une petite enveloppe avec écrit Siberia 3. Alors, ce jeu, je connais pas. Si vous connaissez ce jeu là, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Je connais pas du tout, mais alors que dalle. Alors regardez un petit schéma. C'est un petit dessin. C'est un peu pensé au monde de Pinocchio avec des pantins, des horloges et tout. Donc je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je regarde sur internet, mais sinon si vous connaissez, dites-le moi directement dans les commentaires de la vidéo. Alors, hop, tout va bien. Voilà, donc pour le premier objet, je pense pas que ça a dû leur coûter très cher. Ensuite, on a une petite figurine de Mass Effect. Voilà, les toutes petites, du même style que Nathan Drake et qu'on a eu dans la box précédente. Et perso, je suis pas fan, j'aime pas ces figurines là. Donc regardez, j'ai eu lui, il est tout vert. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Tan. C'est la deuxième survent. Voilà, petit bonhomme. Il me fait penser dans Supergirl à John Jones. Je sais pas si vous regardez la série. Enfin bref, un extraterrestre. Il s'appelle John Jones et il ressemble un peu, je trouve. Donc voilà, les petits bonhommes. Ouais, donc j'aime pas trop ces figurines là. Je préfère les figurines pop. Celles-là, déjà, elles sont minuscules. Je les trouve pas top que ça, si top que ça. Puis je suis plus fan des pop, donc si jamais, hein, mettons, quelqu'un de Woodbox regarde cette vidéo, voilà, je vous le dis, on veut des pop. Voilà, on veut des pop. Ensuite, mais bon, on est quand même content d'avoir des figurines, ça change pas. Ensuite, on a un joli petit CD que je sens que je vais adorer, de Final Fantasy, le 10, le 13 et le 13-2. Après, pourquoi je sais pas pourquoi c'est écrit The Legend of Legacy. Si ça marche et s'il n'y a pas de droit d'auteur, j'essaierai de mettre en musique de fond une musique de ce, enfin les musiques de ce CD, parce qu'il y a deux CD avec beaucoup de chansons. Maiden, Avalon, Initium, The Ruin, The Forest, Double Dimension Battle, enfin bref, tout plein de chansons. Je vais quand même l'ouvrir en live. Si j'y arrive. Il y en a, ils vont être les collectionneurs et tout. Mais non, mais faut pas l'ouvrir, t'es taré et tout. Et ben non, je m'en fous, c'est un CD, c'est fait pour être écouté, désolé. Par contre, après, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais vous montrer après. Surtout vu ce que je viens de dire. On va essayer avec un crayon. Alors oui, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé de décor. Parce que il y a un petit souci, là, je tourne pas dans ma chambre. Car en ce moment, j'ai dévolé avec la manivelle. Et en fait la manivelle s'est pétée. En fait je fais le mec qui raconte sa vie quoi. Et ouais, donc la manivelle de mon volet s'est cassée. Du coup je me retrouve dans le noir. Donc c'est super, ça fait 4 jours que ça dure. Donc là mes parents ils sont partis m'acheter 2 coups à réparer les volets. Donc c'est top. Donc en attendant je tourne là dans la vidéo dans la chambre de mon frère. Ah voilà, nia. Je remonte, très joli boîtier avec le reflet de la caméra en face. Avec au milieu un CD avec je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est elle.
penser à Cloud, mais je pense pas que ce soit lui. Hop. Et hop. Je pense pas que ce soit Cloud. Et je vois aussi à l'intérieur le petit bouquin. Le petit bouquin à l'intérieur. Donc là, la carte. Voilà. Bon, je vais vous montrer, il n'y a rien d'intéressant. Hop. On va ranger. Je pensais qu'il y avait plus de choses. Ce n'est pas grave. Donc, hop. Ensuite, on a le petit pins, un petit rubis de Zelda et de Link. Un joli petit pins. Alors, on va retirer. Hop. Non. Hop là. Très joli petit rubis. Voilà. Ensuite, on a... Alors là, j'ai été... Je suis tombé amoureux, je suis tombé par terre. Un joli petit livre de Zelda. Légende Zelda, tout noir, écrit et les ornements tout en doré. Regardez un petit peu comment ça brille. On y a du papier d'or, des feuilles d'or, comme les Ferrero Rocher. Et en fait, c'est un petit notebook pour écrire dessus. Sauf que voilà, ça rentre pas forcément dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur le CD, comme quoi un CD c'est fait pour être écouté. Donc du coup, j'ouvre et j'écouterai les musiques. Et bah là, je vais vous dire, je n'écrirai pas dans ce livre. Donc il y en a qui vont être, mais ça, c'est pas logique ce que tu dis, t'écoutes un CD et t'écris pas dans le livre. Ouais, et bah moi, je vous dis, ça, c'est un truc à garder intact, qui est vraiment collector. Parce que ça, tu peux toujours l'acheter en magasin ou le commander sur internet, quoi. Que ça, c'est vraiment collector, quoi. Tu trouveras pas ça ailleurs. Enfin, peut-être en grande surface, c'est possible aussi, spécial game et tout. Mais bon, tu trouveras pas ça, tu trouveras pas tout le temps ça. Et plus tard, au final, ça sera des trucs collector. Et voilà, donc j'ai pas envie d'écrire dessus. J'ai envie qu'ils soient vraiment neufs, bien brillants, bien pétants. Et voilà. Et puis c'est mon choix, hein. Donc s'il y a des rageux, voilà, m'en fous. Et ensuite, pour clôturer cette box, on a le fameux t-shirt. Écoutez, je vous propose que je le mette. On va poser ça ici. Vous êtes prêts? Attention! Hop là! Tada! Alors, vous voyez pas grand chose. Là, bonhomme. Et le mec avec l'épée. Alors, selon moi, je vais regarder dans le manuel après. Pour moi, ça serait Final Fantasy XV. Avec. Comment il s'appelle déjà? Là, le héros là en noir. Attends, comment il s'appelle? Non, Tidus, non, c'est déjà un héros de Final Fantasy. Je sais plus. Je vais regarder dans le bouquin. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Eh bien, je vais vous montrer les photos de la box précédente. Voilà, les gagnants. Enfin, les gagnants. Ceux qui mettent leur tête. Hop. Voilà. Ensuite, la Mega Woodbox Quest de ce mois-ci, c'était donc une figurine de Game of Thrones de Jamie Lannister. Donc s'il y en a qui suivent la série, oula, faut que je fasse gaffe au cadrage. S'il y en a qui suivent la série, donc ils doivent connaître. Une figurine Zelda Skyward Sword avec, et plus une PS4 avec le jeu No Man's Sky. Regardez cette magnifique figurine. J'aurais trop voulu l'avoir. J'ai déjà vu en vrai, elle est magnifique en plus. Ils auraient pu gagner un Galaxy Note 7. Ils voulaient les faire sauter leur boîte. Et puis, une édition collector PS4, The Last Guardian, composé d'un jeu, son steelbook, un livre d'illustration et une figurine du héros accompagné de son accompagnon, une bête appelée Trico. Perso, ce jeu, j'ai vu des vidéos et tout. Il m'attire pas. Dites-moi vous dans les commentaires si vous attire ou pas. Moi perso, je sais pas, j'ai pas accroché sur les vidéos qui sont sorties. Alors, du coup, le t-shirt. Ahmed de son épée, le jeune prince n'attend plus que vous pour l'incarner dans le prochain épisode de la série RPG la plus connue du jeu vidéo. Attention, les titans seront plus redoutables que jamais. Ouais, bah pour moi, après dites-moi si je me trompe. Peut-être que je me trompe dans de jeu ou de film.
Dites-moi dans les commentaires, pour moi, c'est Final Fantasy. Regardez. Pour moi, après la tête du bonhomme, je sais pas. Mais pour moi, ce bonhomme là au milieu, c'est le nouveau héros dans Final Fantasy XV, avec les cheveux plats, hyper stylé, pété et tout. Après, peut-être que je me trompe, c'est possible. Et donc, voilà. Donc, ils mettent pas l'image pour le mois prochain. Hop là, ils montrent une petite image de la Comic-Con qui va se dérouler du 21-22 octobre. Donc, je serai pas disponible, j'y serai pas. Et, attention. Et de la Paris Games Week. Et pareil, je suis mais alors dégoûté. Je ne pourrais pas y aller pour certaines raisons. Voilà. Et du coup, cette année, je ne pourrais pas y aller. Normalement, ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, enfin l'année qui vient, je serai de retour à la Japan Expo normalement. Après quel jour, je ne sais rien encore. Mais normalement, je pense que je devrais y aller. Là, la Paris Games Week, je pourrais pas. J'espère que je pourrai l'année prochaine. Je sais pas. J'espère. Sinon, voilà, tant que j'y pense aussi. Si vous connaissez ou si vous savez faire, je recherche quelqu'un qui serait capable de me créer une nouvelle photo de profil et une nouvelle bannière YouTube. Si possible, ce serait super sympa parce que ça fait plusieurs vidéos que je demande. Il y a toujours personne. Donc, si vous arrivez à en faire ou si vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît. M'aidez-moi. Voilà, ce serait super sympa. Car bon, j'ai envie de changer un petit peu au bout d'un an. Même pas, au bout de deux ans. Au bout de deux ans, ça commence un petit peu à me saouler. J'ai envie de changement, voilà. Quelque chose qui respire, voilà. Qui sent le neuf. Et ce sera tout pour cet unboxing. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. À laisser des commentaires. Si vous avez suivi la vidéo, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, voilà. D'accord. Si vous n'avez pas aimé. Et voilà, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait. Ou à partager même la chaîne et la vidéo. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao ciao tout le monde.